quand vous recevez votre libération. Merci, pasteur. Gloire à Dieu, tout le monde. Déliez-le et laissez-le aller. Ce soir, c'est ta soirée au nom de Jésus. Père, nous venons devant toi, l'ancien des jours, l'éternel, celui qui a créé tout l'univers. Et avec toi, rien ne sera impossible. Et je prie que ce soir, qu'il y ait les miracles de libération et de laisser aller. Ici, au lieu Alpha, partout où nous sommes connectés, dans les maisons, dans les églises, dans les communautés, dans chaque nation, dans chaque pays, Seigneur, dans ta puissance ce soir, délie-les et laisse-les aller. Confirme-le, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a béni, tu peux t'asseoir et tu dois espérer la confirmation du ciel ce soir. C'est ta soirée au nom de Jésus. Je lis Matthieu 16, verset 15. Matthieu 16. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, comprenez. » Quand vous répondez à cette question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et tu peux répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La même bénédiction qu'il a envoyée à Pierre, il te la donnera. Il dit, tu es heureux, Simon, fille de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Une fois que tu acceptes la révélation du Père du ciel, et tu peux dire, du plus profond de ton cœur, il est le Christ, il est le libérateur, il est le rédempteur. La bénédiction du ciel viendra sur ta vie immédiatement. Verset 18. Et moi, Dieu te dit que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai. C'est-à-dire cette déclaration que tu as faite. Que je suis le Christ, le Messie, le médiateur, l'avocat. Et tu dis que je suis le Fils du Dieu vivant. Alors, sur ce point, sur ces propos, sur cette confession, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'attendais ton Amen. Voyons le verset 19. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que, n'importe où, et partout, partout, en tout moment, quiconque, quelle que soit la personne, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, n'importe où, partout. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen du lieu Alpha. Matthieu 18, verset 18. En vérité, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce soir, je veux vous parler brièvement du message intitulé « La libération ordonnée ». Vous commandez, ordonnez cette libération. Soit délié. Parce que Christ a dit, parce que Christ nous rassure. Et il dit en vérité, vraiment, certainement, je vous le dis. Tout ce que vous avez entendu Christ dire, c'est exactement ce que vous faites. Et quand vous faites ce qu'il a dit, il est au ciel et il nous observe ce soir. Il nous regarde ce soir. Et il regarde pour voir comment nous allons exécuter son commandement. La libération ordonnée est confirmée au ciel. La libération ordonnée, je l'ordonne ici depuis le pupitre, ici sur la terre, et sur vous là-bas, et c'est confirmé du ciel. Parce qu'en vérité, vraiment, certainement, et sans aucun doute, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Quand cette maladie est liée, prête à partir, elle est liée au ciel. Et quand vous êtes délié, libéré, quand vous êtes relâché de cette oppression, relâché de cette maladie, relâché de ce mal, ce soir, où es-tu là-bas? Il t'a franchi. Libre dans ton âme, libre dans ton corps, libre dans ta pensée, tout lien, toutes chaînes seront brisées de ta vie. Ce soir, comme nous te libérons ici, tu es libéré depuis le ciel. Et tu sortiras de ce fauteuil roulant. Tu sortiras de ces liens. Parce que tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. La libération ordonnée est confirmée au ciel. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la croix pour notre libération du mal. La croix du calvaire, la croix de Christ, la croix sur laquelle il est mort. Sur cette croix, il est mort. Et à la fin, avant qu'il ne respire pour la dernière fois, il dit, tout est accompli. Tes problèmes sont terminés. Ton joug est brisé. Ta vie est affranchie ce soir au nom de Jésus. Pourquoi? À cause de la croix qui est là pour ta libération du mal. Deuxièmement, la condition de votre libération de toute chose, quelle que soit la chose, quel que soit le nom et quelle que soit la durée de la chose. Il y a la libération de toute chose ce soir et je vous donnerai la condition simple pour que vous puissiez sortir et recevoir cette libération au nom de Jésus. Troisièmement, la confirmation de la libération totale du ciel. Il dit, nous proclamons ça ici sur la terre et c'est accompli du ciel. Il dit, nous le déclarons sur la terre et c'est décrété au ciel. Il dit, nous te délions ici sur la terre et il y a une confirmation de ce fait que tu es délié dans ta vie, même ce soir au nom de Jésus. Revenons au premier point. Premier point, la croix pour notre libération du mal. Le mal est pratiquement lié au Satan. En anglais, quand vous ajoutez « dé », ça fait « diable ». Tout ce qui vient du diable, des démons, de Satan, de l'ennemi de ton âme, tout est mauvais. Alors quand nous disons la croix, pour ta libération du mal, tout ce qui vient du diable et frappe à ta porte, entre dans ton corps et entre dans ta vie. Gloire à Dieu, ce soir, tu es libéré. Jean, Chapitre 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Pilate dit, « Je l'ai examiné, je l'ai posé des questions, j'ai cherché des fautes en lui, mais je ne trouve en lui aucun crime. Ma question pour toi ce soir, ma question au monde est, pourquoi alors a-t-il été crucifié sur la croix? Aucun crime en lui, mais beaucoup de fautes, de crimes en toi. Et à cause de tes crimes, lui n'avait aucun crime, il n'avait aucun péché, il n'avait aucune tâche. Mais à cause de tes péchés, à cause de tes tâches, voilà pourquoi il a été crucifié, il a porté cela pour toi. Il n'avait aucun fardeau de péché à porter, mais toi tu avais un gros fardeau de péché. Il a dit, moi je n'ai pas de crime, il a proclamé. Pilate l'a dit, même les Juifs le savaient, le monde le savait. Mais cependant, je vais porter tes fardeaux et il portera tes péchés ce soir. Je vais porter tes fardeaux. Il n'avait aucune maladie. C'est toi qui avais la maladie. Il n'avait pas de péché, il n'avait pas de maladie. Et il va porter tes maladies ce soir. Il n'avait aucune damnation, aucune condamnation. Pourquoi alors a-t-il été crucifié? Pour porter ta damnation et pour porter ta condamnation. Alors il portera ce fardeau de ta vie ce soir au nom de Jésus. Voyons le verset 30 là-bas. Verset 30 nous dit, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? « Tout est accompli. » Terminé. J'ai dit terminé, libre, et pleinement libre. Et ça va couler dans ta vie ce soir. Tout est accompli. Tes péchés, il les a achevés sur la croix. Ta maladie, il a tout achevé sur la croix. Ta souffrance, il a tout achevé sur la croix. Ta honte, il a tout achevé sur la croix. Même tes liens, tes chaînes, tout est accompli sur la croix. Si c'est accompli alors, maintenant, tu es libre. Je suis libre. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je veux que tu vois Éphésiens au chapitre 2. Verset 16, Éphésiens 2, 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Un verset très simple, pas très long. Il dit, il y avait l'inimitié entre l'homme et Dieu. Pourquoi? L'inimitié entre le péché et la sainteté. Lui, il est saint, saint, trois fois saint, complètement saint, à l'intérieur, à l'extérieur, à tout moment, de toute l'éternité jusqu'à présent, jusqu'à l'éternité, saint. Mais l'homme était pécheur, désobéissant, rebelle, parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. La sainteté, le péché ne peut pas se mélanger. Nous étions en inimitié, lui il est amour. C'est nous qui avons le problème. Nous avons tourné le dos à Dieu. Et à cause de cette inimitié, nous, le Dieu que tu es, le Dieu que tu n'aimes pas, le Dieu avec qui tu n'interagis pas, qu'est-ce que tu peux avoir de lui? Nous avions le péché, la maladie, nous avons la souffrance, nous avons les problèmes, nous avons la honte, nous avons la condamnation. Mais Christ est venu. Il est mort sur la croix du Calvaire et il a ôté l'inimitié entre nous et Dieu. Il a ôté toute l'inimitié et tout ce qui dit maintenant, tu avais tourné le dos au Dieu Saint du ciel. Il dit, reviens maintenant, repens-toi et regarde Dieu. Parce qu'aujourd'hui, toute l'imitié est ôtée. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de revenir et tu verras la face de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, le salut de Dieu, la guérison de Dieu dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Les païens sont loin, les juifs étaient près. Il est venu annoncer la paix à tout le monde. Il n'y a pas de juif qui aura la paix sans Christ, le prince de paix. Aucun païen ne peut avoir la paix sans Christ, le prince de la paix. Et dans le verset 18 dit, « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès. » Par lui, nous avons les uns et les autres. Ça veut dire quoi? Il dit que les Juifs et les païens, nous tous, nous avons accès à la même route qui conduit à la paix de Dieu, la même route qui conduit au pardon, la même route, la même voie, le même chemin conduit à la guérison, la même voie conduit à la bénédiction de Dieu. Le Juif peut l'avoir, tu vas l'avoir aussi. Ceux qui nous ont dévancés entre nous et Pierre, la même voie, quel que soit ce que Pierre a eu, tu vas l'avoir ce soir. La même voie, quel que soit ce que Jean a eu, tu vas l'avoir ce soir. Parce que la même source de libération est ce que nous avons. Et parce que nous allons sur la même autoroute, il n'y a pas d'embouteillage sur l'autoroute qui te crispe pour le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de retard. C'est pourquoi, quand vous lisez l'Évangile sur Christ immédiatement, aussitôt, il était libéré, instantanément, il dit, aussitôt, il fut guéri, parce qu'il n'y a pas donc de feu tricolore, il n'y a pas d'embouteillage sur le chemin, la voie qui conduit à Dieu. Comme nous mentionnons le nom de Jésus ce soir, tu es libéré, délié au nom de Jésus. Car par lui, et il ne rejette personne. Quiconque vient, quiconque invoque son nom, le salut vient, la guérison vient. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est la croix qui le fait. 1 Pierre au chapitre 2. Je vous lis à part du verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il dit bois, parce que la croix était en bois. Et le bois a été donc coupé d'un arbre. Et lui-même, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Il dit, il a pris les péchés de ta vie, de ma vie, d'elle, de lui, et maintenant il a placé sur son corps pour porter cela pour toujours. Et quand il prend tes péchés, il les met dans la mer profonde, qui ne ressurgiront plus jamais pour t'accuser ou tourmenter ta vie au nom de Jésus. Et il dit, afin que moi, au péché, nous vivions pour la justice, maintenant la puissance, pour vivre dans la justice, il nous la donne. Pourquoi? Comment? Il a ôté nos péchés. Et il nous donne sa justice. Il a ôté notre sentence et il nous donne sa justification. Il a ôté nos pollutions et il nous a donné la pureté totale, nos cœurs, nos pensées. nos âmes. Il nous donne ce qu'il a, quand il ôte ce que nous avions. Ainsi donc, ce que nous avons avant, nous n'avons plus ça maintenant, parce qu'il a ôté. C'est ce que nous avons maintenant. Nous avions la pratique du péché. Nous ne pouvons pas nous passer de péché. Il a ôté cela. Dis amen. Nous avions la pollution, la saleté, les souillures du péché. Nous ne l'avions pas le passé. Il est venu et il a ôté cela. Tu n'es plus sale au nom de Jésus. Il est venu et il a ôté la sentence, le châtiment. Il a ôté cela. Et parce que ce que nous avions avant, quand nous venons à Christ, nous n'avons plus cela. Il a ôté cela et il nous donne une conscience pure, un cœur pur et la paix du cœur. Maintenant, il a ôté le châtiment éternel, la punition éternelle, dans la souffrance dans les temps de feu. Il a ôté cela et il nous amène au ciel maintenant avec le ciel. Quelqu'un crie ciel. L'enfer est passé, terminé, fermé. Maintenant, nous avons la joie, ce que nous avions avant. Nous n'avons plus ça aujourd'hui. Et tout ce que nous avons maintenant, c'est le salut du Seigneur et la libération du Seigneur. Que le Seigneur le confirme dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Maintenant, il dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Lui par ses meurtrissures, lui par les meurtrissures duquel, les meurtrissures. Quand une maladie vient, il fait pour nous frapper. C'est comme il met des fouets. Et je sens les fouets au dos. Je sens les fouets dans le ventre. Je sens les fouets au niveau des yeux. Je sens partout. Tu sens la maladie et tu sens les douleurs. Tu sens les tourments. C'est là où les fouets sont venus. Mais Jésus-Christ dit, je vais prendre les fouets. Je vais prendre la souffrance. Alors, je te donne ma santé. Est-ce que tu ne veux pas être aussi bien portant que Jésus-Christ? Il n'avait pas de cancer, tu n'auras pas de cancer. Il n'avait pas d'ulcère, tu n'auras plus d'ulcère. Il n'avait pas de problème de cerveau, tu n'auras plus de cerveau endommagé. Il n'avait aucune insanité, tu n'auras plus d'insanité. Parce qu'il est venu ôter ce qui te fouettait, ce qui te frappait et ce qui tourmentait ta vie. Il a ôté ce que tu avais afin de te donner ce qu'il avait. Et tout ce qu'il a, c'est la bonne santé. Ce qu'il a, c'est la santé parfaite. Il ôte ce que tu avais. Et maintenant, ce soir, déliez-le et laissez-le aller. Je t'accueille, te souhaite la bienvenue à la santé de Christ. Je vais dire quelque chose, peut-être, tu as dit, est-ce que je comprends ça? Très simple. Tu seras aussi bien portant que celui qui t'a guéri. Aussi bien portant que le guérisseur. Parce qu'il ôte la maladie et la souffrance. Alors, il te donne. Ce qu'il te donne n'est pas la santé de l'homme. Ce qu'il te donne, ce n'est pas la santé des gens. Ce qu'il te donne, c'est sa propre santé. Il te donne sa justice. Il te donne sa santé. Et il te rend bien portant que celui qui t'a guéri. Aussi libre que celui qui t'a libéré. Aussi puissant, aussi fort que celui qui est venu te donner la force et la puissance. Ce soir, tu es délié ici. Et c'est confirmé au ciel. Délié du péché, délié de la maladie, délié de la souffrance. Je suis libre. Je suis libre. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la condition de votre libération de toute chose. La condition de votre libération, de ta libération de toute chose. Maintenant, les secours humains nous aident avec un seul élément par moment. Et c'est pourquoi nous avons des spécialistes là-bas, des spécialistes par là et des spécialistes par là. Et quand vous amenez vos problèmes à ces gens-là, vous dites, j'ai tel défi, j'ai tel défi. Combien? 7. Ah d'accord. Bon, moi je suis spécialisé en régler un. Alors, je vais finir avec toi et je vais ôter le défi, ce que moi je sais régler. Ensuite, je vais t'envoyer vers l'espèce suivante. Tu vas vers l'espèce suivante et il te dit, qu'est-ce que tu as? J'avais 7. Maintenant, j'ai 6. Parce que tel autre espèce. Ah, d'accord. Bon. Et quels sont les 6? Tu lui dis ça. Il dit, bah, en réalité, moi, je suis spécialisé. Je peux régler seulement ceci. Et tu dois faire le tout comme ça. Et finalement, tu rencontres certains d'entre eux et ils te disent, oh, personne n'est spécialisé dans ce que tu as là. Ceci là, ça tue les gens. Et tu viens à Christ et dit, tout sera libéré. De la puissance des ténèbres, tu es libéré. De la puissance des maladies, tu es libéré. Et de la puissance des démons, tu es libéré au nom de Jésus. Lui n'est pas spécialisé en un seul élément ou en une seule maladie ou en un seul problème. Et aujourd'hui, il ôte un et un autre jour. Oh, ce soir, tout va quitter ta vie. Parce qu'il dit, déliez-le et laissez-le aller. Voyons. Voyons la condition d'être libéré de toute chose. En Matthieu 9, verset 13. Matthieu 9, voyons le verset 13. Matthieu 9, 13. Allez et apprenez ce que signifie. Le Seigneur dit, vous venez à moi, d'accord, allez et apprenez, apprenez de vos prédicateurs, apprenez de vos pasteurs, allez écouter ce qu'il a à dire sur moi et ce que je fais, apprenez. Et quand vous apprenez, alors vous dites, Jésus, le prédicateur m'a dit que tu es celui qui va confirmer la libération du ciel sur la base de ta miséricorde. Déjà, tu as fait tout le sacrifice. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Maintenant, je viens. Parce que j'ai appris. Voyez ceci. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alors, si vous venez, est-ce que vous remarquez, à la croisade, nous ne prenons pas d'offrande. Pourquoi? Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'autre paiement, il n'y a pas d'autre prix, il n'y a pas d'autre sacrifice, il n'y a pas d'autre don. Pas ces maîtrissures, pas ton argent, pas ces maîtrissures, pas ton sacrifice, mais pas ces maîtrissures, c'est pas par tes efforts. Parce qu'il dit, maintenant, tout est achevé, tout est crédité dans ton compte. La guérison créditée dans ton compte. Le salut crédité dans ton compte. J'aurai la miséricorde, je prends plaisir au miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes. Ce mot juste veut dire les religieux, les pharisiens, ceux qui disent encore, oh, combien je dois payer? Il dit, non, je ne suis pas venu pour ces religieux-là. Ceux qui pensent que tout est à acheter. Tu peux acheter des choses sur la terre, mais tu ne peux pas acheter les choses du ciel. Il n'y a pas d'argent, aucun montant. Le salut vient du ciel. Tu ne peux pas payer pour cela. La guérison vient du ciel. Tu ne peux pas payer pour ça. La délivrance vient du ciel. Tu ne peux pas payer pour cela. La grâce vient du ciel. Tu ne peux pas payer pour cela. Parce que ce que tu espères et ce que tu attends viendra du ciel. Voilà pourquoi aider. Je ne suis pas venu pour ceux-là qui veulent dire, oh, je jeûne 2 fois la semaine, je suis juste, je donne les dîmes de ce que je suis juste, et je ne suis pas comme tel de publicain, et dit, je ne suis pas venu pour ces gens-là, mais il est venu pour appeler les pécheurs à la repentance. C'est tout, les pécheurs à la repentance. C'est quoi la repentance? C'est quand tu fais face à telle direction, la voie de la vie pécheresse. Maintenant, tu sais que Dieu n'est pas dans cette direction-là, parce qu'il est le Dieu saint. C'est quoi la repentance? Tu fais demi-tour. Et tu tournes maintenant ton dos à tes péchés et tu dis, je refuse tous ces péchés, j'abandonne tous ces péchés et je mets de côté, je les rejette loin de ma vie. Et lorsque cela est fait, tu reviens et tu fais face au Seigneur. Et parce que tu fais face au Seigneur, il dit, tu es maître, tu tournes vers la bonne direction. Tu te détournes de l'amour du péché. Tu te détournes de la vie du péché. Tu te détournes de tout ce qui est mauvais. Et tu dis, Seigneur, je me tourne vers toi de tout mon cœur, aujourd'hui, demain, et pour le reste de ma vie, je me tourne vers le Seigneur. Et je suis en accord avec Dieu maintenant. Dans mes paroles, je suis en accord avec Dieu. Dans ma vie, en accord avec Dieu. Dans mes comportements, en accord avec Dieu. Dans mes propositions, en accord avec Dieu. Dans mes plans, en accord avec Dieu. Et dans tout ce que je fais, partout je vais, tout ce que je touche de mes mains, je me suis détourné du passé, du péché, et je me suis tourné vers le Seigneur, et je rejette tout ce qui va me ramener à l'ancienne vie. C'est ce que le Seigneur dit, et il dit, je suis venu appeler quiconque, tout le monde à la repentance. Acte 3. Verset 19, Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc, rappelez-vous. En Jean chapitre 19, il a dit, tout est accompli. Et parce que j'ai achevé toutes choses, j'ai payé le prix. Tout ce qui reste à faire maintenant, la seule condition que tu considères maintenant, c'est la repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc, revenez, détournez-vous de vos péchés, détournez-vous de l'amour du péché, détournez-vous du style de vie du péché, détournez-vous de la vie du désordre dans le péché et revenez à l'amour de Dieu, revenez au Seigneur, le Dieu du ciel, repentez-vous et convertissez-vous. Comprenez, convertissez, il y a un changement. Ça dit qu'il y a un changement dans votre apparence, il y a un changement dans votre pensée, il y a un changement dans votre cœur. Maintenant, vous changez pour devenir comme Christ. Christ chrétien. Christ chrétien. Le changement de pensée, la conversion, c'est pour vous amener à être comme Christ. Aimant, les paroles aimables sont les bonnes paroles qu'il déclarait. La vie de justice, c'est ce qu'il avait. Maintenant, chrétien, parce que tu es converti, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, vous avez, les temps de rafraîchissement, c'est différent de la vie de sécheresse et la vie d'épuisement, la vie qui est toujours fatiguée. La vie d'épuisement. Avant de venir à Christ, c'était ça. Oh, je suis fatigué, je suis épuisé, oh, je suis dévasté, je suis frustré, je suis confus, je suis vraiment sous la pression, je suis opprimé. Mais maintenant, aidez, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et c'est venu ce soir. J'ai dit, c'est venu ce soir. Verset 20. et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, de rafraîchissement, de régénération, de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Depuis le début du monde, tout ce que Dieu a déclaré par la bouche des prophètes, depuis le commencement du monde, il dit toutes les promesses dont tu as entendu parler depuis Genèse, au temps d'Exode jusqu'à Malachie, toutes les promesses que Dieu a données sur le salut, sur le pardon, sur la guérison, sur la délivrance, sur la restauration, toutes les promesses qui ont été données maintenant que Christ est venu, toutes ces choses déclarées par les prophètes depuis le commencement du monde, toutes ces choses sont pour toi maintenant. Tout est pour moi. Tout est pour moi maintenant. Verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'envoie pour vous bénir en détournant chacun de vous. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Se détourner de ses iniquités. Il dit oui, parce que vous comprenez, sans le péché, il n'y aura pas de maladie. Le péché a invité, a attiré la maladie dans nos vies. Sans l'iniquité, il n'y aura pas d'infirmité. L'iniquité a invité, a amené l'infirmité dans nos vies. Sans la désobéissance, il n'y aura pas de maladie. La désobéissance a invité la maladie dans nos vies. Et il dit, il a envoyé Jésus, et ce Jésus nous détourne du péché et toutes les conséquences du péché et de la maladie. Tout ce que Christ a fait, c'est pour nous détourner de l'iniquité et l'infirmité qui est la conséquence de l'iniquité. Lorsqu'il te détourne de l'iniquité, par conséquent, tu es détourné de l'infirmité. Il est venu nous sauver de toute désobéissance. La désobéissance s'en va et la maladie va quitter ta vie au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Acte 17, verset 30. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ça veut dire quoi? Temps d'ignorance. Le fumeur est ignorant que la fumée va causer le cancer des poumons. Il a la fumée et il a le cancer. Et le Seigneur dit, tu étais ignorant, mais je vais le sauver et ensuite je vais le guérir s'il remplit la condition. Les temps d'ignorance, l'alcool cause la tension artérielle et finalement cette tension sera connectée au cœur et tu as des problèmes cardiaques. Il était ignorant, on ne comprenait pas. La colère, la haine, la violence et les bagarres, tout cela va conduire à une vie qui va vraiment perdre de valeur. Et tu mourras avant ton temps. On était ignorants. Nous étions ignorants que l'adultère, la fornication vont causer le VIH-Sida. et vont également conduire des maladies vénériennes. Et tu étais ignorant. Qu'est-ce que tu connaissais? Tu ne connaissais rien de tes actions que le crime. Que tu commettes le crime en ligne ou bien que tu commettes le crime au bord de la voie, cela conduit l'emprisonnement. Tu ne le savais pas. Tu pensais que je peux le faire et m'échapper. Tout ce temps d'ignorance, maintenant nous venons et nous disons, Seigneur, oh, que j'étais ignorant. Qu'est-ce que je connaissais? Je connaissais mathématiques. Est-ce que je savais que la fumée peut causer le cancer? Qu'est-ce que je connaissais? Je savais que 3 plus 4, ça fait... Ça donne ce que ça donne. Mais est-ce que je savais que l'alcool va affaiblir le cœur? Qu'est-ce que je connaissais? Nous étions ignorants. Mais maintenant, Christ est venu. Et il nous appelle à lui-même afin que tout ce temps d'ignorance qu'il te pardonne ce soir. Mais maintenant, ordonne à tous les hommes en tout lieu à ce qu'ils aient à se repentir. Verset 31, pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Aidez, nous devons nous repentir parce que Dieu a fixé un jour, le jour où il va juger les hommes. Repentez-vous. C'est entre toi, une personne, et Dieu maintenant. Et tu viens ce soir, tu lèves ta main, tu dis, Seigneur, je me détourne, je me repens, je sors de mes péchés et je reçois ta miséricorde, je reçois ton pardon, je reçois ton salut. Il dit, alors je vais annuler tous tes péchés. Amen. J'efface toutes tes transgressions. Amen. Et je te donne la paix du cœur. Je te donne la joie du salut. Mais quelqu'un dit, ah, quelqu'un là-bas peut dire, je ne veux pas me repentir maintenant. Je ne veux pas me revenir maintenant. Il dit, souviens-toi que Dieu jugera le monde. Ça veut dire quoi? Tu seras parmi ceux-là du monde entier. Et il y aura des milliers et des milliers des années dans toute l'éternité. Et on t'appellera. Le péché que tu essaies de cacher maintenant, le Seigneur va ouvrir les livres au milieu, devant tout le monde. Tous ceux qui n'ont jamais vécu, tous tes amis, tous tes voisins, tous ceux-là qui te connaissaient, même ceux-là qui ne te connaissaient pas, et tes péchés seront lus, jugés devant le monde entier. Et ce que tu devrais avoir réglé entre toi et Dieu, seuls les péchés seront exposés. Devant tout le monde. Et la chose finale sera déclarée. Et en ce moment, le jour de la grâce sera passé. Et devant le monde entier, tu es religieux. Et tu utilises ça pour cacher les choses. Tu donnes de l'argent aux gens. Et tu utilises ça pour cacher les choses. Tout sera exposé. Je ne veux pas confesser maintenant. Bon. Si tu ne confesses, tu vas confesser en ce moment-là. Et tu sauras que Christ est Seigneur. Et ceux qui vont en enfer, ils ne pourront pas résister. Cette personne périra. Cette personne souffrira en enfer pour toujours. Et le jugement ne sera pas une chose privée. Mais vous savez, ta repentance peut être privée entre toi et Dieu maintenant. Repentez-vous. Donc ce soir, tu vas te repentir au nom de Jésus. Tu ne vas pas attendre jusqu'à ce jour-là où tes mauvais actes seront exposés au monde entier en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième point maintenant. La confirmation de la libération totale du ciel. La confirmation de la libération totale du ciel. Matthieu encore 16, 19. Je vous donnerai les clés. Nous avons les clés ce soir. Le nom de Jésus, ça c'est la clé. La miséricorde du Seigneur, ça c'est la clé. Et la promesse de Dieu, l'invitation du Seigneur, ça c'est la clé. Il dit, tout ce que tu lieras sur la terre. Où sommes-nous maintenant? Il dit, où es-tu maintenant? Moi qui vous prêche là, je suis où? Toi qui m'écoutes et qui espère ta guérison et ta délivrance, où es-tu? D'accord. Et tout ce que, quel que soit le nom de ta maladie et le nom de ton problème, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui tourmente ta vie, je le lis et je l'arrache au nom de Jésus. Ces choses qui cognent ta tête, je le lis et tu es libéré au nom de Jésus. Et tout ce que tu délieras sur la terre, le ciel nous écoute sur la terre. Le Seigneur est concentré et nous observe maintenant, ici sur la terre. Et il se souvient de sa parole qui ne peut faillir. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Vous savez, quelque chose qu'il y a dans ta vie, qui te torture, qui traumatise ta vie, qui tourmente ta vie, depuis ce pupitre ici sur la terre, je vais délier cette chose. Et le Seigneur nous a rassurés qu'il va délier ça au ciel. Cette chose qui te lie dans le fauteuil roulant, tu es délié ce soir. Cette chose qui t'a attaché aux béquilles, tu es délié ce soir. Cette chose qui a bandé tes yeux, ta vue, et tu ne vois plus, tu es délié ce soir. Cette puissance qui te restreint et tes pieds n'arrivent pas à bouger. Ta pensée, ton sang ne pompe pas bien le sang et le sang ne circule plus pour nourrir ton cerveau. Oh, tu es délié ce soir. Toutes ces choses qui bloquent les veines, les artères de ta vie et qui te maintiennent lié. Oh, je meurs. Tu ne vas pas mourir. Tu es délié ce soir au nom de Jésus. Cette chose qui a arraché ta voix, tu n'arrives plus à parler parce que tu es lié là-bas, tu es délié ce soir. Et cette chose, quand tu t'assois, tu n'arrives pas à te lever. Quand tu es debout, tu n'arrives pas à t'asseoir. Tu es délié au nom de Jésus. Et les démons et les messagers du diable qui viennent te lier ce soir, tu es délié au nom de Jésus. Voyons Matthieu 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité. Chaque fois que Jésus dit cela en vérité, il dit qu'il n'y a aucun doute dans votre cœur, dans votre pensée. Ah, que ça peut arriver aux autres et ça ne va pas t'arriver. Ah, Dieu va exaucer la prière des autres. Il ne va pas exaucer ma prière. Ça, ce n'est pas vrai. Il va exaucer ta prière. S'il y a quelqu'un, la première personne pour qui Dieu va exaucer ta prière, c'est toi. J'ai dit, c'est toi. Mon ami, mon fils, ma fille là-bas, en ligne. Ce soir, c'est ta soirée. Amis, frères, vous qui êtes là ce soir, tout le monde sans exception, déliez-le et laissez-le aller. Tu es libre ce soir. J'ai dit, tu es libre ce soir. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Où est-il? J'ai dit, où est-il? Où est-elle? Ce soir, c'est ta soirée de miracle. Le miracle du salut. Il te délie des chaînes du péché. Tu étais impotent comme ivrogne, tu n'arrivais pas à arrêter. En tant que fumeur, marijuana, tu n'arrivais pas à arrêter. En tant que bagarreur, violent, tu n'arrivais pas à cesser. En tant que trompeur, tu n'arrivais pas à arrêter. Mais ce que tu n'arrivais pas à faire de toi-même, Christ le fera pour toi ce soir. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur est prêt maintenant pour t'affranchir. Moïse a demandé à Pharaon. Il dit tout ce que vous avez dans vos... ces grenouilles que vous avez partout là. Quand est-ce que tu veux que ces grenouilles partent? Parce que Moïse était là pour lier et délier et pour ôter ces grenouilles. Pharaon a dit, demain. Il voulait que ces problèmes continuent. Pendant 24 heures encore, tu ne seras pas comme Pharaon. Quand est-ce que tu veux que tes péchés soient pardonnés? Maintenant. Quand est-ce que tu veux être délié de toutes les chaînes qui te liaient? Maintenant. Alors, la tête baissée, les yeux fermés, tu veux le salut du Seigneur. Tu veux le pardon du Seigneur. Et tu veux que ce péché qui apporte la honte, qui apporte la condamnation, qui apporte les regrets, le péché, et tu as l'air impotent, tu dis que tu n'es pas, mais tu le fais encore. Le Seigneur dit, comme tu es désespéré, impotent, je veux t'aider ce soir. Je veux te pardonner, je veux te fortifier, je veux changer ta vie. Tu es là-bas, la tête baissée, les yeux fermés. Lève simplement la main. Dis, Seigneur, me voici aujourd'hui. Seigneur, me voici aujourd'hui. Les choses que je n'arrivais pas à faire, les choses que je ne voulais pas faire, c'est ça que je faisais. Mais je veux être libéré ce soir. Et je veux avoir le salut ce soir, le pardon ce soir. Et je veux avoir la vraie joie du salut ce soir. N'importe où tu es, lève simplement ta main. Si tu lèves ta main, s'il te plaît, mets-toi debout, 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 debout pour Jésus. Il est prêt à te pardonner. Debout, debout pour Jésus. Il est prêt à ôter tes péchés. Il est prêt à tout achever ce soir et te sauver de la sentence du péché. Et te sauver du pouvoir du péché. Et te sauver de la pollution du péché. Et te sauver des pratiques du péché. Ne perds pas du temps. Mets-toi debout. Il veut te donner le salut maintenant. Ne perds pas du temps. Debout, debout. Il veut effacer et effacer. ôter tous les péchés que tu n'as jamais commis. Il veut t'affranchir. Et il veut te délier du pouvoir, des chaînes, des jougs, de ce péché. Toujours debout. Comme tu es debout. Parle à Dieu dans la prière maintenant. Me dit, Seigneur, me voici. Je viens à toi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix du Calvaire. Parle au Seigneur. Je crois. C'est à travers lui seulement que je peux avoir le salut. Parle au Seigneur. Et dis, Seigneur, je te remercie. Quand tu as dit, tout est accompli. C'était pour moi. C'était pour moi, c'était pour moi. La tyrannie du péché est brisée de ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis pardonné. Je suis affranchi. Je suis sauvé. Parce que maintenant, je crois en Christ, le seul qui peut m'affranchir. Je prie avec vous maintenant. Merci, conseiller. Allez vers où les gens sont debout. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ton amour, car Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, nous te remercions pour ton amour, parce que tu es venu ôter nos péchés et nous donner le pardon, la libération de tous ces péchés. Seigneur, nous acceptons ce que tu as fait. Nous nous donnons à toi sans réserve. Sois le Seigneur et le Sauveur de chaque vie qui reçoit ton pardon maintenant au nom de Jésus. Et que la joie du salut, que la paix dans le salut et l'assurance dans le salut viennent à chaque cœur, à chaque vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dis ça avec moi, merci Seigneur. Parce que je sais que tu as exaucé et que tu les as déliés des liens et de la tyrannie du péché. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre amen. Un amen d'assurance. Que Dieu vous bénisse, toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont vous donner les fiches à remplir. Et remplissez ces fiches correctement avec la joie du salut dans votre cœur. Notre pasteur va nous conduire dans cette session et après ça, vous serez déliés de tout lien, de toute chaîne. Félicitations. Soyez les bienvenus dans le royaume. Il l'a fait. Il l'a fait. Rappelez-vous aujourd'hui. Notez cela. C'est un jour que vous n'allez jamais oublier. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Si vous nous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ après le message du pasteur, ce soir, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus pour que nous puissions vous aider davantage, d'avoir une nouvelle marche avec Christ. Vous écoutez à la radio, bien à la télévision. Et venez de donner votre vie au Seigneur. Envoyez vos noms, prénoms, et là où vous êtes, par SMS ou WhatsApp, plus 234 plus 234 91 54 44 92 63. Il y aura un banquet spécial pour vous en ligne le dimanche 5 novembre. On vous donnera plus de détails. Que Dieu vous bénisse. Nous conseillers, n'importe où vous êtes dans nos pays, vous qui êtes sur le champ de croisade en plein air, occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé la main et aidons ceux-là qui ont levé la main et aidez-les si possible à remplir les formulaires, les fiches de décision. Dieu agira puissamment ce soir. Commence à dire au revoir à tes problèmes. La maladie que tu vois maintenant, tu ne la verras plus. Très bientôt, tu ne la verras plus. Commence à dire au revoir à tes problèmes. Tu ne me suivras plus à la maison. Et prépare-toi seulement. De par le monde, le banquet de nouveaux convertis, on vous donnera donc les détails et les informations sur le lieu, l'heure et le jour. Préparez-vous pour vos miracles. Préparez-vous. C'est une question de quelques minutes. Et ils vont vous lâcher. Préparez-vous pour votre miracle une fois encore. Si vous nous suivez en ligne, vous allez donner votre vie à Christ après le message du pasteur ce soir. Il y a un lien. Cliquez dessus et remplissez le formulaire qui s'affiche pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Si vous suivez la radio, la télévision, et vous avez donné votre nom au Seigneur, il y a des numéros qui vous seront communiqués. Écrivez-nous à ces numéros-là, ou bien appelez ces numéros, par SMS ou WhatsApp, et vous pourrez nous contacter. Les numéros qui vous sont communiqués à la radio, ou bien qu'on va vous communiquer à la télévision, vous suivez, pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Il y aura un banquet spécial pour ceux qui nous suivent en ligne le 5 novembre. Et vous recevrez plus de détails à ce sujet. Votre pasteur sera content de vous savoir connecté pour ce banquet. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, le moment des miracles, n'importe où vous êtes, tenons-nous debout. La puissance de Dieu va vous toucher maintenant, comme le pasteur vient. Gloire à Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Tu es délié ce soir au nom de Jésus. Quel que soit le défi, tu peux lever la main et imposer l'autre main là où tu sens, où tu as le problème. Et quand tu entendras la mention du nom de Jésus, tu sauras que c'est fini. Les yeux aveugles vont s'ouvrir et voir clairement. Les oreilles sourdes seront ouvertes. Les langues muettes seront déliées. Et tout ce qui doit être ôté de ta vie, du cancer à l'ulcère, quelle que soit la chose, le nom de Jésus va t'affranchir. Alors lève une main et impose l'autre main là où tu as le défi. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que tu ne peux faillir. Tu ne vas pas faillir. Seigneur Jésus, tu nous as rassurés. En vérité, je vous le dis, tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Seigneur, conformément à ta parole, conformément à tes commandements, je dis, je libère ton peuple au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps sort au nom de Jésus. Toute oppression dans ta vie sort au nom de Jésus. Insanité, folie, je te commande, sors au nom de Jésus. Toutes les possessions démoniaques et les tourments, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Cancer, sors au nom de Jésus. Les maladies incurables, soyez guéris au nom de Jésus. Ulcère, tu es guéri au nom de Jésus. Problème respiratoire, problème à difficulté à respirer, tu es libéré au nom de Jésus. Tout enflement, tumeur sur ton corps, je commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Tout ce qui liait, qui que ce soit, quiconque ici, quiconque en ligne, jusqu'en ce moment, la libération pour chaque vie. Liberté pour chaque vie, guérison pour chaque vie, délivrance pour chaque vie, au nom de Jésus. Tu es délié, tu es affranchi, tu es guéri, toi en particulier, tu es guéri au nom de Jésus. Ce fauteuil roulant n'est plus pour toi. Les béquilles ne sont plus pour toi. Et les douleurs ne sont plus pour toi. Et le sang qui coule n'est plus pour toi. Et tout ce que le diable a placé sur ta vie, je commande, c'est parti au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur t'a affranchi. Tu es libre, délié. Tu es délié.